Le tarif social pour l'énergie est octroyé à une certaine catégorie d'ayants droit qui ont conclu un contrat d'énergie à titre individuel, c'est-à-dire conclu en leur nom ou celui de leur partenaire. Toutefois, afin de soutenir ceux qui n'ont pas accès au tarif social car ils se chauffent via une installation collective et n'ont dès lors pas de contrat individuel à leur nom, le gouvernement a décidé d'octroyer une prime tarif social pour les installations collectives. Cette prime est versée tous les 3 mois. Pour pouvoir bénéficier de cette prime, il faut donc d'une part que vous résidiez dans un immeuble avec une installation d'énergie collective pour laquelle vous ne disposez pas d'un contrat individuel. C'est par exemple le cas lorsque le syndic a conclu le contrat pour l'ensemble de l'immeuble et vous facture ensuite régulièrement votre consommation. D'autre part, il faut que vous fassiez partie d'une des catégories d'ayants droit. Ce sont globalement les mêmes que pour le tarif social énergie classique. Concrètement, pour obtenir cette prime, il faut d'abord que le gestionnaire de l'installation collective d'énergie, votre syndic par exemple, l'enregistre sur la plateforme en ligne dédiée à cet effet. Il reçoit alors un code de référence pour l'installation et vous le communique. Ce n'est qu'avec ce code que vous pourrez alors introduire votre demande de prime, soit par internet, soit par email, soit par courrier recommandé auprès du SPF économique.